Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Il est parti, j'ai vu, ouais. Mais il se fout de ma gueule. Je peux pas vous prendre, vous étiez trop nombreux. On était deux, s'il te plaît. Ça m'énerve. Course annulée. Vous étiez trop nombreux. On était deux. On était même pas à côté. Ah, c'est du foutage. Oh, bah, monsieur. Oui. Ah, vous avez une. Vous avez votre bouche? Qu'est-ce qu'elle a? Bah, vous voyez pas? Non. Ah, bah, vous voyez Batman double face? Ouais. Bah, voilà, c'est vous. Mais en noir. Eh oh! Attention à ce que vous dites, hein. Hop, moi. Si! Vous savez qui je suis? Je peux mettre des patates. Vous savez qui je suis? Ah, ouais, toi, tu sais qui je suis? Bah, un mec qui est en train de courir. Bah, voilà, tiens. Fallait pas se foutre de ma gueule. Oh, t'apprendras qu'ici c'est moi le chef. Ok? Ouais. Ok. Je te promets que si tu me mets un coup. Ok. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Je. Ok. Voilà, ciao. Ouais. J'ai retenu ton visage. J'ai retenu ton visage, t'inquiète. On est quitte? Non. On est quitte ou pas? Ouais, on est quitte, on est quitte. On est quitte, hein, pour un. Voilà, voilà, c'est bon, c'est bon. Allez, stop. Maintenant, on est quitte. Bon, c'est bon, on peut se serrer la main ou... Ouais, tenez. Oula, désolé, pardon. Ouais, bien sûr, ouais. Non, viens ici, je te serre la main. Ah. Voilà. Par contre, la voiture là, je l'avais pas à moi, donc... Elle est à qui, monsieur? Ah, vous avez volé une voiture? Emprunter à un long terme. Et vous allez où? Hop là. Ah, on fait du parcours. Ah, je faisais beaucoup là où j'habitais. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Alors, on a du mal à monter? Un coup de main? Non, j'ai un peu mal au pied. Tu te mets ici et tu sautes. Hop t'inquiète là, pas, voilà. Je sais, t'inquiète pas. Ah bah t'avais pas l'air de trop savoir, hein. Regarde où c'est que je monte, moi. Je monte ici, moi. Vas-y, saute maintenant. Saute tout en bas. Et oh. Je voulais pas te taper. Ouais, ça se voit. Saute, c'est trop bien, vas-y. T'es prêt? 3, 2, 1. C'est parti. Wouhou. Eh, hey, ça va? Il faut appeler une ambulance ou ça va aller? Ok, attends, ça tout de suite. Noir à terre, vite. Voilà, j'ai appelé l'ambulance. Il y a le noir qui est là, il est tombé. Il est tombé de... Bah, il s'est trébuché en fait en sortant de la voiture. Il m'a donné un coup. Alors j'allais les... Il m'a écrasé. Quoi? Il s'appelle John Smith. Il m'a écrasé. Ah il oui, voulait... Il voulait me tuer. Oh là là. Ah oui. Monsieur, vous voulez me tuer là? Appelez la police, ah oui, s'il vous plaît. Pour ça que... Merci beaucoup, monsieur. C'est pour ça que j'ai appelé l'ambulance. C'est moi qui l'ai appelé, monsieur. J'ai appelé l'ambulance. Ah ouais? Ah. Et t'as noté comment? Décris un peu le message que t'as noté. J'ai marqué. Moi, je peux le dire. Pourquoi tu me balances des capotes, connard? Ah merde, c'était l'autre poche. Putain. C'était dans l'autre poche. Ouais, oui, merci, monsieur. Ah, merci, monsieur l'ambulancier. Oh, putain. Tiens, c'est des cuisses de poulet. Ah. On savait. Merci beaucoup. Allez, relève-toi, faut pas ta tapette. Ah, monsieur. J'ai soif. Allez, monsieur. Ah, j'ai soif. Allez, monsieur. Ah, j'ai soif. Allez, mais la bouteille d'eau. Ah. Hey, monsieur, la bouteille d'eau, monsieur, il a soif. Ah, ouais, bah, il va mourir là. Oh, mon Dieu. Ah, il arrive, regarde. Excusez-moi, ça m'a fait un... Oh putain. S'il vous plaît. Vous avez la bouteille? Non, ça c'est votre pénis, monsieur. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur? Oh, merci beaucoup. Quelqu'un.
Oh, bonjour monsieur, vous êtes le directeur de la taxi là? Responsable. Ok, d'accord. Ah putain, arrêtez de toucher, j'ai trop mal à la jambe. Ah merci. Oh putain, est-ce qu'il y aurait possibilité. Voilà. S'il y aurait possibilité que nous allions parler dans un endroit plus discret? Enfin, on va dire que là, avec la pluie, ça m'énerve un peu quoi. Il fait froid et tout. Venez avec moi sous l'avant-toi qui est là-bas. Pas de soucis. Ah. Je vous écoute. Ah, alors voilà, j'ai appelé il y Mais a. Qui c'est qui? t'as pas payé? Non, ben non, je suis ambulancier, j'ai pas besoin de payer les soins. Ah oui, ok. Voilà, monsieur le directeur, voilà. J'avais demandé un taxi. Et le taxi est venu devant moi avec quelqu'un déjà dedans. Il est reparti. Il m'a manqué de respect à plusieurs reprises. Et au final, il m'a dit qu'il pouvait pas me prendre parce qu'il y avait trop de gens devant la boutique. Sauf que on n'était que deux devant la boutique. Et mon ami avait sa propre voiture. Donc il n'y avait aucun risque ni rien. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu me prendre. Vous savez, je suis ambulancier. Je ne représente aucun risque pour la société. Je trouve cela complètement bizarre et j'aimerais savoir si c'est votre initiative personnelle ou si c'est la sienne. Voilà quoi. Non, c'est l'initiative de l'entreprise elle-même. Sauf que D'accord. du moment que l'on dépasse le nombre d'une seule personne, avec les événements qu'il y a eu récemment, donc en sachant beaucoup visé par les prises d'otages, etc., il est complètement interdit à nos chauffeurs de s'arrêter du moment qu'il y a plus que simplement deux clients. Rien ne vous empêchait de faire quelques mètres et de vous éloigner du monde, Je histoire n'ai que. pas eu. Non, j'étais éloigné. Le taxi est arrivé. Le taxi est arrivé. Il n'était pas garé devant le magasin. Il était à gauche. Je suis allé en direction du taxi. Mon ami n'est pas venu avec moi. Et le taxi est parti tout de suite. Je n'ai même pas eu le temps de. Il y avait déjà quelqu'un à l'intérieur en plus. Il aurait fallu faire quelques Non, mètres. Il aurait pu me prévenir. Il aurait pu me dire quelque chose comme ça. Vous savez, je suis ambulancier. Je n'ai pas que ça à faire, moi, d'attendre et de m'amuser à qui veut prendre le taxi ou qui veut pas le prendre, monsieur. Bah écoutez, maintenant vous êtes au courant que cette mesure a été mise en place très récemment. Du moment qu'il y a trop de personnes et que le chauffeur de taxi se sent en danger, il a le droit d'annuler la course. Est-ce que je pourrais avoir votre nom, s'il vous plaît, monsieur? Quoi faire? Bah, parce que c'est. Vous savez, je suis ambulancier et j'aime. C'est très intéressant de connaître les patrons de chaque entreprise. Puis c'est la moindre des choses de se présenter, non? Non, pas forcément, pas forcément. Ah oui, donc vous avez des choses à cacher en fait, si je comprends Pas bien. forcément non plus. Juste que moi je vous connais pas, on ne se connaît pas. Vous venez ici pour demander, poser une question, je vous y réponds, c'est mon rôle. Mais on n'a pas élevé les cochons ensemble, vous n'avez pas à savoir mon identité. Et il n'y a aucune raison pour que je vous la donne en fait. Ok, Il n'y a d'accord. pas de litige, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous demandez le nom de la personne qui vous donne un croissant tous les matins à la boulangerie? Eh Bah si bien, c'est tous les matins, hein, vous s'il est tous les savez, matins, oui ou. je connais le nom de tous les patrons d'entreprise qui sont sur cette ville. Étant donné que je suis l'ambulancier et que j'ai affaire à eux assez souvent pour faire fructifier leurs affaires, par exemple la police, pour s'il y a besoin, je les aide à avoir un petit peu plus de personnel. Au niveau de tous les autres métiers, je les aide aussi. Et avec l'ancien patron de taxi, je l'aidais à faire fructifier aussi ses affaires. C'est-à-dire que quand il y avait un accident de voiture, j'appelais moi-même le taxi pour que les taxis venaient. Et je m'occupais de payer le double pour que les taxis ne viennent pas pour rien. Après, vous savez, vous voulez rester de votre côté et faire votre affaire de votre côté sans avoir de lien avec les autres. Faites ce que vous voulez. Comme vous avez dit, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Sur ce, je vous laisse tranquille et faites ce que vous avez à faire. Je ferai de même de mon côté. Au revoir, monsieur, et bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est pas possible, ça, putain.